cérémonie de remise par l'Union européenne de 21 véhicules tout-terrain destinés à la direction centrale et aux 10 directions départementales du ministère des Travaux publics. Cette intervention se situe dans le cadre de l'appui institutionnel au secteur du transport prévu dans la convention de financement du programme d'appui à la politique de transport à Pontgrand. Programme dont l'objectif est d'améliorer l'accès aux infrastructures de base à travers des services de transport routier performants et pérennes. La remise de ces véhicules, qui totalise un montant de 27 813 240 gourdes, constitue une étape importante dans la consolidation des structures délocalisées du ministère des TPTC à travers sa direction départementale. Ce support à la politique nationale à travers Pontgrand vise à faciliter la mise en place de réseaux routiers cohérents et articulés qui permettra une plus grande maîtrise de notre territoire, qui facilitera les flux commerciaux et qui doit impérativement accompagner notre processus global de décentralisation. Nous sommes certains que ces matériels roulants remis par l'Union européenne contribueront de manière durable à renforcer les actions menées par le MPTTC pour le développement, mais également l'entretien des infrastructures routières dans les 10 départements. Je m'en voudrais de ne pas saluer la dynamique de travail développée entre les différents partenaires, à commencer par le ministère des TPTC, le gouvernement dans sa globalité, plus particulièrement les cadres du bureau de l'ordonnateur national, en la personne de M. Panfil, qui joue un rôle extraordinaire dans le secteur de l'infrastructure, et la délégation de l'Union européenne, dont les nombreuses actions ont contribué à une coopération exemplaire dans notre pays. Cette remise, comme vous le savez, fait suite à remise d'autres lots de matériaux de travaux publics qui ont commencé en octobre dernier et dont je sais que vous en faites le meilleur usage. Cette remise, cet événement, se place dans le cadre plus large de notre appui à la politique de transport qui est au cœur des priorités de la coopération entre l'Union européenne et Haïti. Une coopération qui, comme vous le savez, est axée sur plusieurs principes, le premier étant celui de l'appropriation, c'est-à-dire de suivre les orientations, de suivre les priorités du gouvernement, du président Martelly, du premier ministre Evans Paul. Dans ce cadre, notre appui à la politique de transport et d'infrastructure représente 30% du budget total de notre appui entre 2008 et 2013. On aura fourni pendant cette période un appui de 267 millions d'euros. Et à l'horizon 2007, nous aurons investi quelque 178 millions d'euros, soit plus de 10 milliards de gourdes, rien que depuis 2010, dont 20%, et je tiens à souligner cet aspect, ont été apportés par l'Agence française du développement et le reste, les 80% restants, par le Fonds européen de développement. L'ordonnateur national, je fais une petite parenthèse pour saluer sa présence et lui féliciter publiquement. C'est la première occasion que j'ai de faire cette reconnaissance officiellement. Je lui souhaite évidemment toutes les meilleures chances, tout notre appui dans une tâche que nous menons dans un esprit de coopération, comme lui-même il a très bien dit, dans un esprit de partenariat solide. Cette coopération, elle est essentielle à trois, je dirais. C'est le ministère des Travaux publics, l'ordinateur national et nous-mêmes qui mettons en place tous ces appuis. Et je le répète une fois de plus, cet appui se place dans un esprit de coopération et d'appropriation qui est la clé pour que cet appui soit efficace. L'ordinateur national l'a très bien dit, cet appui va au-delà du ministère des Transports. C'est un appui qui se veut aussi appuyer toute la politique de gouvernement dans son ensemble. La politique d'infrastructure facilite les accès aux services sociaux, à l'éducation, à la santé. La politique des transports, la politique d'infrastructure facilite aussi un appui aux opérateurs du secteur privé qui restent aussi clés pour le développement socio-économique durable d'Haïti. Cet appui s'encadre dans notre souhait de renforcer les directions départementales en matière de travaux publics à travers de réhabilitation des bâtiments, à travers du matériel lourd, à travers des équipements. Et je suis convaincu, comme je le disais au début de mon intervention, que le ministère fera le meilleur de usage de ces nouveaux véhicules. C'est l'Union européenne qui nous a financé, à travers le bon, qui est le maître d'ouvrage, nous a financé la reconstruction du tronçon de Port-au-Prince-Mirbalais que vous avez maintenant, et qui arrive à Mirbalais. Il est en train de financer présentement
Lascaroubas, Belader, Croix de Fer, qui arrive jusqu'à la frontière. Et est en train de financer aussi la reprise, la réhabilitation du tronçon Mirbalet-Lascaroubas. Le Mont-Nakabri va être reprise totalement, le tronçon de route. Là, vous voyez quand même, il y a des ondulations, il y a des tassements différentiels. Ceci est en cours par l'Union européenne. C'est-à-dire, et il y a quand même la reprise des travaux de Reims-Saint-Raphaël qui va vers la RN3, va être en principe continué. On est en train de négociation pour une reprise des activités de ce tronçon. Donc, c'est pour vous dire quand même que tout l'appui que nous donne l'Union européenne est à travers le bon. Et c'est pour moi quand même l'occasion de remercier Monsieur l'ambassadeur Avenino PS, qui nous a toujours en principe accompagné. Et seulement, l'Union européenne aussi finance, donne un appui budgétaire au fonds d'entretien routier, qui est important, qui permet de maintenir les routes en bon état. Donc c'est pour vous dire quand même, tout le service et toutes les tâches que l'Union européenne accomplit ici, et toujours c'est fait à travers le bon, qui nous a toujours accompagnés. Et c'est pour moi l'occasion de remercier et l'Union européenne et l'ordonnateur du bon.